Alors ici, nous sommes à l'hôtel du Mont-en-Vert, à 1913 mètres d'altitude, dans un lieu qui est vraiment très symbolique et extrêmement historique, puisqu'on est dans une bâtisse classée qui date de 1860. Et on est donc au cœur, on peut dire, du massif du Mont-Blanc, en surplombant la mer de glace, qui est un des plus longs glaciers d'Europe. Et on est entouré des sommets les plus illustres du massif du Mont-Blanc. L'idée de ce workshop, donc c'est la troisième édition cette année. Les deux précédentes ont eu lieu en bord de lac, à Aix-les-Bains en 2011 et à Annecy l'année dernière. Et le workshop s'intitulant Montagne et lac, il me paraissait assez opportun et logique d'organiser ça à la montagne. Donc l'année dernière, j'ai proposé à Yves qu'on fasse ça sur Chamonix, et on a travaillé tous ces derniers mois à l'organisation de ce workshop. Pour nous, bien évidemment, c'est l'occasion de nouer de nouvelles relations professionnelles avec des acheteurs parisiens et régionaux, et le fait de pouvoir les amener directement sur la destination, c'est leur montrer de façon tout à fait concrète ce que représente Chamonix, quels sont ses atouts, quelles sont ses forces, quelles sont ses structures. Et c'est toujours beaucoup plus efficace que de leur parler de la destination quand on est à 300, 500 ou 800 km. Chamonix, c'est vrai, c'est une destination touristique très très fréquentée, mais le tourisme d'affaires, c'est un autre type de tourisme et qui nous permet surtout d'annualiser, on va dire, la fréquentation de la vallée de Chamonix sur quasiment 12 mois, les 12 mois de l'année. Alors, je pense que tous les partenaires, tous les socio-professionnels de la vallée ont très bien compris l'enjeu de ce marché tourisme d'affaires. Et on peut voir fleurir de nouveaux projets, des rénovations constantes pour essayer d'acquérir sans arrêt cette qualité qui est exigée de la part des organisateurs d'événements professionnels. Et puis, cette qualité de prestation, mais cette qualité de service aussi. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui avec cette opportunité d'amener ces acheteurs sur place, ce que j'ai envie de leur dire, c'est vivez, respirez, sentez ce qui se passe autour de vous. Ce qui fait l'âme d'un lieu, c'est son souffle, c'est ses silences, c'est ses vibrations. Et je pense que la vallée de Chamonix, pour ça, est une terre de vibrations absolument extraordinaire. Et s'ils peuvent percevoir cet aspect de la destination, tout est gagné, je pense. Et j'espère en tout cas qu'ils auront envie d'y revenir.